Rebonjour, rebonjour, ou bonjour tout court, et bienvenue dans cette 16e, 15e, 16e partie, je crois, de Batman Arkham Knight. Nous venons d'éliminer 3 des Jokers potentiels, le gros Joker, le Joker chanteur et la Joker qui était très très chaude à l'idée de rencontrer Batman. Il me plaisait beaucoup. Tu crois qu'elle est fiable ? S'ils me voient entrer là, ils ne prendront pas le risque d'ouvrir. S'ils me voient entrer là, ils ne prendront pas le risque d'ouvrir. Vous vous êtes chamaillé ? Oh, il s'est fâché et il s'est envolé, c'est ça ? Quoi ? Tu veux rentrer ? Non, non, ça va pas être possible, mon pote. Je suis sûr que ça peut s'arranger entre nous. La princesse Claude du crime là. Harley avait raison. Alors. On peut remercier la grille. Vas-y, ouvre. Ouvrez la porte, vite. Pas de problème. Un coup faut lui fermer la porte, un coup faut l'ouvrir. Moi je pense qu'elle est cinglée. C'est pour ça qu'on te paie pas pour penser, crétin. C'est juste une batruse. Montre-toi, Batnaze. À moins que t'aies les chocottes. Oh, voyez qui voilà. Le petit larbin de Batman. Alors, il t'a laissé tout seul. Non, il s'est dit que je pouvais m'occuper de toi en solo. Il te prend pas trop au sérieux. Moi non plus, d'ailleurs. Oh, il cherche les ennuis. Oh, tu te crois marrant, hein? Ouvrez la porte! Cette fois, c'est moi! Si tu crois pouvoir le ramener aux cellules, tu te fourres le doigt dans l'œil! Il a le Joker en lui, comme tous les autres. Ça veut dire qu'ils sont à moi! Je les emmène! Ce serait très irresponsable de ma part de permettre une chose pareille. Batman m'a pris Monsieur J une fois. Pas question que ça se reproduise! T'entends ça, Batman? Je sais que t'es là! Ouais! Où est-ce que tu te planques, Batnaz? Bah alors, t'as peur de nous combattre? T'as vu ça? Il suffit d'une petite pression sur la gâchette! Coucou! Interdit de toucher à la dame du boss. Chopé! Je vais tailler en allez! C'est censé faire mal! Il frappe plus formidable! Allez. Merci. Fais juste notre boulot. Je vais te mettre la tête. J'ai toujours beaucoup aimé l'espèce de petit... Impressionnant. Qu'est-ce que tu veux? Je suis irrésistible. Il faut qu'on retourne aux cellules. Toi, emmène Brown. Je m'occupe de Queen. Toujours beaucoup aimé l'espèce de petit coup que Batman met parfois. Ce petit coup de talon extrêmement bourrin. Alors, ça sent le traquenard. Moi, je le sens pas, le Henry. Lui aussi est infecté, ne l'oublions pas. Pose-moi tout de suite, Batnaz. Robin, la cellule. Non, non, non! Attends, Robin. Vous les avez tués. N'est-ce pas, Henry?
Oh, Batman, vous êtes si naïf. Vous voulez à tout prix voir le bon chez les gens. Particulièrement quand ils sont mauvais. Jerry, je suis rentré. Il les a tous tués. Je crois qu'on sait qui a reprogrammé la sécurité. À présent, veuillez vous donner la peine. Allez rejoindre votre ami là-bas. Allez au diable. Maintenant. Bien joué, Henry. À toi, Patou. C'est amusant, l'évolution. Peu importe combien d'obstacles se dressent sur sa route, c'est toujours le plus fort qui survit. Ceci dit, vous savez ce qu'on raconte sur l'évolution. Même les amibes en sont capables. Qu'est-ce que tu fais ? Je lave le patrimoine génétique. Même moi, je ne sais plus trop quel temps m'encourage. Adieu. C'était très... instructif. Oh, tout compte fait. Tue-le, tue-le, tue-le ! Ça alors. Quelle surprise. Vous allez être spectaculaire. Cette cellule-là est pour toi. Je dois arrêter l'épouvantail. Quand ce sera fait, je me ferai enfermer. Et si tu échoues, tu seras trop dangereux, je ne pourrai pas t'arrêter. Non, 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 c'est hors de question, tu entends ? Il faut que tu rentres dans la cellule. On n'a plus d'autre choix. C'est un argument de défaitiste, Batou, et tu le sais. Donc les jokers potentiels qui sont tous morts. Allez, Albert, il faut que tu le fasses. Alias le Goliath. C'est toi le patron. Il n'a pas à te dire ce que tu dois faire. Tu ne peux plus sortir, c'est trop risqué avec le joker en toi. Oh, foutaise! Il y a assez de place pour nous loger tous les deux ici. Là-dedans, en revanche, c'est étroit. Si tu as un doute, c'est que c'est lui qui parle. Ah, si tu hésites, c'est que tu es d'accord avec moi? C'est justement ce que tu veux. Sois honnête. Qu'est-ce que tu en sais de ce qu'il veut? Tu ne vis pas dans sa tête. Je peux m'occuper de l'épouvantail. Oh bon sang, il est sérieux? Je regrette, Bruce, mais c'est le seul moyen. Je sais, Tim. J'aurai l'épouvantail. Maître Bruce, je vois plusieurs forces de la milice converger vers votre position. C'est le chevalier d'Arkham. Il vous a trouvé. Je vais m'en occuper, Alfred. Vous en êtes sûr? Il y en a un certain nombre. Je vous dis que ça ira. Tout ira bien. Évidemment. Tu m'as tout appris. Est-ce que...
fracasse pas pour Robin, Batou. Je suis sûr qu'il s'en sortira. Enfin bon, j'en suis presque sûr. J'avais pas fini mon histoire sur Jason Todd, si? Ah, la fin de Jason Todd. Tu as quelque chose à dire au gentil monsieur Jason? Je m'appelle Jason Todd. Qui détestes-tu? Batman. Excellent. Bien sûr, c'est normal. T'entends ça, Batou? Le gamin n'est plus à toi. Il est à moi. À moi. À moi. À moi. J'en ferai ce que je veux. Au fait, j'ai une question. Quel est le grand secret? Qui est l'horrible chauve-souris? Son nom? Dis-le-moi. Oui, monsieur. C'est... J'ai jamais supporté les balances. C'est pour ça que j'aime œuvrer seul. Personne ne vient vous gâcher la chute. Tu devrais essayer un jour. Après tout, tu as bien vu ce que ça donnait quand tu entraînais tes camarades dans notre petit jeu d'entre eux. Donc ils ont changé le comics Death in the Family à la base. Donc il se fait battre à mort avec une barre de fer. Là, il lui tire dessus. Ce qui peut changer notamment son destin. Rien ne dit qu'après avoir pris une balle, il soit mort. Bon, que dois-je faire? Retourner dans ma cellule? Henry Adams, c'est une anomalie. C'est lui qui a été infecté en premier. À cause d'une transfusion sanguine reçue suite à la pose réussie d'une prothèse de hanche. Dès qu'il a repris son travail, ses collègues ont constaté qu'il avait changé en bien, qu'il était plus calme et plus amical. Quand je suis allé voir Henry après avoir appris pour sa transfusion, il a refusé toute intervention médicale et a dû être emmené de force. Je pense qu'il y a un traitement à cette maladie, et que c'est grâce à Henry qu'on le trouvera. Henry Adams est une anomalie. C'est lui qui a été infecté en premier. Il faut que tu rentres dans la cellule. Dès qu'il a repris son travail, ses collègues ont constaté qu'il avait changé en bien, qu'il était plus calme. Désolé, mais il faut que tu le fasses. Je suis allé voir Henry après avoir appris pour sa transfusion. Il a refusé toute intervention médicale et a dû être emmené de force. Allez, il faut que tu le fasses. Et que c'est grâce à Henry qu'on le trouvera. J'ai rêvé ou j'ai vu une option pour de contre à Robin. Quand je me suis approché, j'ai vu le A, mais il me semble avoir vu l'espèce d'instinct qui permet de faire les contres avec le Y. Écoute, Batou, je ne t'ai pas raconté cette histoire pour rigoler. Bon, si, c'est vrai. Il y a une morale à la femme de l'oiseau et du clown. Ok, on essaie encore. Il va me remontrer la même scène. Il faut que tu rentres dans la cellule. On n'a plus d'autre choix. Infection diagnostiquée il y a 4 semaines lorsqu'il a battu et plongé une groupie dans le coma en sortant de scène. Tout ira pour bien, le reste, je te promets. Il suit une cure de désintoxication dans une clinique privée. Il semblerait que l'infection est amplifiée au-delà de la raison, son égo déjà surdimensionné. D'après les estimations actuelles, l'infection atteindra son maximum dans les prochaines 48 heures. Le Gotham General a fait une erreur en répertoriant les transfusions. Au cours d'une opération bénigne, King a été infecté par du sang qui provenait d'Arkham City. À son retour chez lui, 3 membres de sa famille proche ont été hospitalisés. Allez, après que King les a forcés à faire un concours de bras de fer, au cours duquel... il a arraché le bras de ses adversaires.
Grand General a fait une erreur en répertoriant des transfusions. Au cours d'une opération... Je vais terminer ce remède. À son retour chez lui, trois membres de sa famille proche ont été hospitalisés après que... Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pour ton bien. Crois-moi. Tu es devenu fou! Écoute-moi, on peut t'aider! Tu n'as pas besoin de faire ça! Alfred! Alfred! Espèce de fumier, tu m'as coupé la communication! Donc au fixe. Monsieur, tout va bien? J'ai perdu le contact avec Robin. Est-ce normal? Il va bien. Ça vient de sa radio. Je l'ai en face de moi. Dieu merci. Vu les circonstances, je craignais le pire. À ce propos, le chevalier d'Arkham a envoyé un escadron de tanks dans les rues de la ville pour en reprendre le contrôle. Fort heureusement, l'amélioration du générateur des armes que vous avez demandé a été effectuée. Merci, Alfred. Une petite minute que je pige un truc. Si Henry n'était pas immunisé contre le mal du clone, ça veut dire qu'il n'y a pas de remède du tout? Tu as fait bosser la tête de Piaf pour rien alors qu'il aurait pu sauver Barbara. C'était cruel, égoïste, et ça a eu des conséquences terribles. Ah, si seulement tu l'avais fait. C'est parti. Allons montrer à Gotham. Ok. Donc certainement dernière amélioration historique scénaristique de la Batmobile. L'amélioration des armes. Monsieur, mais on n'en a aucune trace. Prévenez-moi à la seconde où ça arrive. Bien sûr. Je vous fais part de deux nouveaux événements qui méritent votre attention. Tout d'abord, il y a cette activité sismique inhabituelle sur Miagani Island. Ensuite, je voulais vous faire savoir que Lucius est injoignable depuis un moment. Cela ne ressemble pas à Monsieur Fox. Vous voudrez peut-être vous rendre à la tour Wayne pour vous assurer que rien de fâcheux n'est arrivé. Ouais, Lucius peut être en danger. Ça ressemble à une... Et on voit que la roue des quêtes n'est pas complète. Alors, les pompiers, je m'en fous. Lucius Fox. Lucius est injoignable. Ça ne me plaît pas. Je vais mener l'enquête. La tour Wayne est bouclée, monsieur. On ne peut y accéder qu'en passant par l'ascenseur du parking souterrain.
avancer. Recherche dans le périmètre. La chauve-souris. Fuyez. Alors, allons voir ce que fait Lucius Fox. Au juste. Nous voilà en Bruce Wayne. Monsieur Wayne, je croyais que vous étiez parti. Ça a l'air terrible dehors. Qu'est-ce qu'on veut faire? Pas d'inquiétude, ce sera bientôt fini. Pourquoi il a laissé sa secrétaire là? Qu'il la laisse partir? Surtout vu l'heure avancée de la nuit qu'il doit être. Sacré bureau. Ah, il a sa valise qui est prête. Un écran de PC d'environ 42 pouces. Je réfléchis, comment il s'appelait le collègue de Vicky Vale dans le premier film Batman de Tim Burton, que je n'aime pas trop d'ailleurs. J'aime beaucoup la prestation de Nicholson, mais le film en lui-même est chiant. Donc c'est dommage. D'accord, donc la comédienne de doublage s'est surpassée pour faire une voix d'idiote. Monsieur Wayne, l'excusateur à l'appareil. Désolé de passer par votre ligne directe, mais ce jeu commence à me fatiguer. LexCorp a fait une offre plus que généreuse à la division des sciences appliquées de Wayne Tech. Et votre continuelle indisponibilité finit par ressembler à une position hostile. N'en déplaise à votre agenda surchargé. Je pense que la division des sciences appliquées, donc ce qui fabrique tout le barda de Batman, ça vaut plus qu'un million de dollars. Bruce, c'est Kate. Vous venez toujours à mes fiançailles avec Maggie la semaine prochaine. Ça fait des mois qu'on ne vous a pas vu et je sais vous qui m'avez appris l'importance de sauver des apparences. Bon, on a fini de développer les backgrounds de notre ami Bruce Wayne. Où est-ce qu'il est, cet abruti Lucius Fox? Ah, voilà. Chercher l'endroit qui permettrait de transformer le bureau. Regardez la taille de l'écran. Il est incurvé, hein. Totalement incurvé. Monsieur Wayne, je viens de finir de sécuriser le bâtiment. Y a-t-il un souci? Puis-je faire quelque chose pour vous aider? Qu'est-ce qui se passe? Je ne pensais pas que vous reviendriez ce soir. Ai-je manqué quelque chose? Étant donné confirmé. Bonsoir, monsieur Fox. Qu'est-ce que...
Transfert de fonds. Il a tué ma secrétaire, le salaud. Bon, j'ai enfin toute votre attention. Venez vous joindre à la souterie. Si vous tentez quoi que ce soit, Wayne Enterprise devra se trouver un nouveau PDG. Alfred, je suis à la tour Wayne. Quelqu'un s'est introduit ici ce soir. Il a enlevé Lucius. Seigneur, une idée du suspect ? Le voleur d'identité, Thomas Elliott. Le chirurgien ? Seigneur, vous étiez inséparable à une époque. On l'est toujours, à vrai dire. Il a reconstruit son visage en prélevant de la peau sur ses victimes. Il est le parfait sosie de Bruce Wayne. Pourquoi diable aurait-il fait cela ? Il dit que c'est personnel. Je vais bientôt en savoir plus. Promettez-moi d'être prudent, monsieur. Donc, Hush, qui était présent dans... C'était Arkham City ou Arkham Origins ? Je crois que c'est Arkham City. Qu'il était présent, Hush. Le voleur d'identité, donc. Laisse-le partir. On ne faisait que négocier, n'est-ce pas, monsieur Fox ? J'ai un boulot pour toi, Batman. Amène-moi Bruce Wayne, ou je fais tomber cette tour. Pourquoi, Wayne ? Vous étiez amis tous les deux. La famille de ce sale gosse m'a détruit. Et maintenant, je lui rends l'appareil. Les Wayne t'ont soutenu. Ah oui, le grand chirurgien Thomas Wayne. Et dire que c'était mon idole autrefois. Jusqu'à ce qu'il foute tout en l'air. Il a fait ce qu'il a pu pour sauver tes parents après l'accident. Je suis désolé que tu aies perdu ton père. Mais il a sauvé ta mère. Il m'a privé de ce qui me revenait de droit. Ce n'était pas un accident. C'était toi. Tu voulais les tuer. Je veux ce qui me revient de droit. Bruce Wayne, on lui a apporté sa fortune sur un plateau. Il n'a jamais eu à se battre de toute sa vie. Maintenant, livre-moi Wayne. Où j'anéantirais cette tour et tout ce qu'il a de plus cher au monde. Et c'est pour voir, Tommy. Bruce. Non, c'est impossible. J'aurais dû m'en devenir nerveux. Quand il me visera, j'aurai une fraction de seconde pour le désarmer. Trop tôt et il tuera Lucius. Trop tard et il me tirera dessus. Je vais le faire. J'ai appuyé, ça ne l'a pas pris. Bon. J'ai totalement appuyé, ça ne l'a pas pris. Tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes, c'est à moi, Bruce. Tout est à moi. Alors si le jeu prend pas les inputs quand on les fait, ils nous disent d'attendre, j'appuie sur triangle au bon moment, enfin triangle, Y, enfin, ce que vous voulez, au bon moment, et ça prend pas en compte. Bruce. Non, c'est impossible. J'aurais dû, mon devient nerveux. Quand il me visera, j'aurai une fraction de seconde pour le désarmer. Trop tôt et il tuera Lucius. Trop tard et il me tirera dessus. Je vais le faire. Voilà. Ouf. Mon visage. Ouf. Bah voilà, c'est réglé. Ton visage. Mes plus sincères excuses. Rassurez-vous, je vais renforcer la sécurité. Ne vous en faites pas, Lucius. Vous êtes blessé ? Je m'en remettrai, monsieur Wayne. Tout le monde n'aura pas cette chance. Ce n'est pas votre faute, Lucius. Je ne peux pas l'emmener au GCPD. Je vais l'enfermer ici, dans la chambre forte. Certainement, je m'en charge. Alfred, j'ai enfermé Elliot dans la tour Wayne. Je le remettrai à la justice dès que possible. Oh, Dieu soit loué. Comment va Monsieur Fox ? Il va bien.
Oh, c'est une bonne chose. Monsieur Elliot répondra de tous ses crimes devant un tribunal. Je ne vous avais jamais vu aller à une telle vitesse. Et il le fallait. Je crois que maintenant, nous savons ce qui est arrivé au voleur d'identité que vous traquiez dans Arkham City. Je dois reconnaître qu'il m'a eu. L'espace d'un instant. Les extrémités auxquelles certains arrivent pour assouvir leur soif de vengeance ne cesseront jamais de m'étonner. Bon, moi, j'ai démoli mon bureau. Alors, Lucius Fox, c'est réglé. Qu'est-ce que... J'arrive pas à croire que Batman se soit associé à Ivy. Elle m'a lavé le cerveau à l'asile et maintenant je me sens coupable dès que je marche sur du gazon. Oui. Il y a encore un paquet de tanks dans les rues. Alors, allons-y. Pour les quêtes intéressantes, les relous, on va pas les faire. Tu vois pas pour l'instant. Alors, ça non, on va prendre en chasse des cabillauds. Monsieur, je vous transmets la position d'un blindé. Les lieutenants de la milice commencent à avoir peur. Ne relâchez pas vos efforts. Oh, il est trop loin. Hey Bruce, j'ai localisé un camion près du Mercy Bridge. Je suis vraiment trop bon à ce truc. Bien joué, Nightwing. Il nous mènera droit à un dépôt. Ce soir, le pingouin met la clé sous la porte. Ah, la Batwing. Regardez, là-haut. Je l'ai jamais vu. C'est sympa, ce génie. De voir qu'elle est en train de tourner. Alors, voilà. Le chevalier d'Arkham a tué Batman ou pas? Que de la gueule. Pas trop tôt. T'as trouvé des bières? Oh bordel, foutons le camp d'ici! C'est Batman! C'est Batman en vue! Il se dirige vers nous! Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Continue, on peut le sauver! Allez, ben, je vais aussi vite que je peux! Vous en faites pas pour Batman, qui disait! On s'est occupé de lui! Ah ouais? Alors dans ce cas, comment ça se fait qu'il nous colle au train? Ouais, je pense à venir ici. Ah bah, c'est gratos, hein? Non, non. Voilà. Ah mince, je me suis perdu. Non, c'est pas grave. Comme ça, j'aurais fait ça. Je pensais que vu que j'avais le... Nous te sont à nous, Batman. Tu t'en
J'ai localisé un des camions du Pingouin derrière les studios de cinéma. Un camion à pister, un dépôt d'armes à détruire. Merci, Nightwing. Ah bah c'était la deuxième victime, tiens. Imperfect. On raconte que Quinzel est dans le secteur nord de Michael. Elle serait revenue pour Batman. Batman peut s'associer avec qu'est-ce que c'est qui m'a repéré? C'est un des drones? On dirait qu'un truc lui est tombé dessus. Laissez-le. Chacun fait gaffe à sa peau. La mine grignote bleue, c'est bon. Ok. Voilà. J'ai un cadeau pour toi. J'ai localisé un des camions du Pingouin derrière les studios de cinéma. Un camion à pister, un dépôt d'armes à détruire. Merci, Nightwing. Il est un peu chaudard hein, quand il dit merci à Nightwing. Merci, Nightwing. Je savais bien que je te versais pas une pension alimentaire pour rien. Peut-être une option pour le scénario, les mecs là. Alors j'imagine qu'il faut venir ici en Batmobile.
Oh, les mecs. Pas trop con. Et des bières. Oh bordel, tout dans le camp d'ici. C'est pas... J'ai Batman en vue. Il se dirige vers nous. Allô, what's... Alors, hello there. I don't know which language you're speaking. I would say it's German. Are you German? If you're wondering which language I'm speaking French, I'm afraid. Batman. Bien connu. Nous avons donc quelqu'un sur le chat qui parle une langue étrangère. Nous le saluons. Malheureusement, je ne sais pas quelle langue cette personne parle. Ça ressemble à de l'allemand, mais ça peut tout aussi bien être une langue slave. Mais des bisous. Des bisous, vraiment. Bon, ils avancent eux, ils font quoi là? Faut que je remonte. Elles s'avancent pas leur camionnette, bordel. Comme dirait Zambla, il a vraiment rien dans le cul, ton coucou. Pingouin cache ses armes dans l'usine de traitement des eaux de Gotham. On passe à l'attaque, Nightwing. Tu m'enlèves les mots de la bouche, boss. Donc, Lehman, 57, visiblement. Hello, vice, guerre, est-il ? Je ne sais pas. Alfred, le camion réfrigéré que je suivais est entré dans l'usine de traitement des eaux de Gotham. Consultez les plans de la ville. Et trouvez-moi un accès. Tout de suite, monsieur. Très bien, vous devriez pouvoir vous introduire dans l'enceinte par le système d'égout de l'île. Puis-je vous suggérer la voiture? J'indique l'emplacement sur votre carte. Oh non, pas la botte mobile. Tu déconnes. C'est chiant avec ta botte mobile. Elle est où? Ah, elle est derrière. Ah! Let's go. Thank you.
C'est le grand soir ? C'est sûr. Il pourra pas se tirer devant. C'est trop, même pour lui. Ça va être reposant de pas avoir ce taré sur le dos. Nightwing n'est pas venu aider cette fois. Salut, comment allez-vous? Batman est tout bien. Ah, ça sent la traduction automatique. Ça va, merci. Par contre, Batman et tout bien, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je dois être à une bonne distance avant que ça n'explose. Bonne nouvelle, j'ai trouvé le pingouin. Il est pile au bon endroit. Petit connard prétentieux. Tu as marché sur mes plates-bandes toute la nuit, Batman. Il est temps que je te rende l'appareil. Je vais bien, Batman, t'en fais pas pour moi. Alfred, j'ai besoin que vous utilisiez le mouchard de Nightwing pour C'est me cool. le situer. Maître Dick ne court aucun danger, si je puis me permettre. C'est le pingouin qu'il a. Seigneur. Je capte un signal. Il le séquestre quelque part à Otisburg. Vous devez faire vite. Nous savons tous deux que Maître Dick aime les risques inconsidérés. Si je puis me permettre, d'où es-tu, personne sur le chat? Du coup, quelle langue parlais-tu à la base? Alors, par où je peux ressortir là-dedans? C'est reparti pour un tour, bateau. D'abord, tu as fait tuer Jason Todd. Maintenant, c'est ce cher Dick qui va y passer. Je sais ce que tu penses, et c'est vrai. Tout ça est de ta faute. Tu nuis à la santé de ton entourage, mon vieux. On va essayer ça. J'ai démarré le piratage, Maître Bruce. Tant qu'on approche, monsieur, avec des drones en appui aérien. Frappe direct ! Ouais ! Impact sur cible confirmé. Un rappeleur amoché. J'ai eu.
Batman. Batman a détruit un drone. Je l'ai touché. Rate-leur, HS. Je suis bon, oui, bon, ok. Where are you from? My dear. Where are you from? I don't know which language you were speaking at the beginning. Hop. Dragon HS. Batman a détruit un drone. Faites-le péter. J'ai pas vu d'où venait. Ah voilà, enfin. La charge de la bombe est explosée.
Avec le treuil électrique, je peux déclencher une explosion contrôlée. Vous avez détruit la bombe en toute sécurité, monsieur, malgré les efforts de la milice. Tu veux vraiment que l'aide arrive par ces bombes ? C'est autant de morts que t'auras sur la conscience. Le pingouin retient Nightwing en otage dans le bâtiment HammerTech d'Otisburg. Tiens bon, Nick. Je viens te chercher. J'empocherai tout le blé. Batman ne vaut rien sans sa voiture. Peut-être, mais il y a une faille dans ton raisonnement. Il l'a... J'espère que Nightwing est en train de se faire péter les dents. Chevalier d'Arkham, j'en avais jamais entendu parler avant cette nuit. Hors de question que Batman passe par là. Ce sera fini. J'empocherai tout le blé. J'ai hâte de combattre Batman. Je ne laisserai pas détruire ces armes. Tu peux me faire confiance. Cette enflure doit être dans les parages à nous observer. Cette cage d'ascenseur devrait me donner accès au reste du bâtiment. C'est décidé, tu vas vraiment le sauver. Tu devrais l'abandonner. Là, il le mérite. Il n'aurait pas dû se la jouer solo comme ça. Il ne t'a jamais respecté, bah, jamais. Combien de cages de sensors dans leur truc ? Ah voilà.
faire. Vous auriez dû le dire tout de suite, les gars. Vous voulez peut-être que je fasse comme si j'avais mal? Celui-là en personne. T'entends ça, Nightwing? Si tu veux bien, on va te garder en vie un petit peu plus longtemps. Continue notre échange, alors. Chouette. Bon, laisse-moi le frapper, allez. Hé, hey, qu'est-ce que je viens de dire? Attention, entrée de la classe. Ouais. Et voilà. Ah, c'est tellement la classe. Qu'est-ce qui t'a pris de venir ici tout seul? J'aurais apprécié un merci d'avoir trouvé cet endroit. Tu devrais être content, on a eu tous les dépôts. Le pingouin est fini. On ne l'a pas encore trouvé. Ça m'étonnerait qu'il reste dans le coin. Ah, le pingouin. Il faut que tu gardes un œil sur celui-là, Batman. Il est un peu trop fouineur, amour. Approche-toi encore, et tu découvriras le contenu de sa caboche. Hé, hey, Ose. Tu te souviens des Flying Grayson? Flying quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Les Flying Grayson, les plus grands acrobates du monde. C'est des trucs de gonzesses. À chaque fois qu'ils apparaissaient dans le cirque, il y avait de la magie dans l'air. Ah, c'est la ferme. Ils avaient un mouvement en particulier qui était vraiment à couper le souffle. Ton souffle, t'es sur le... Non, arrête. Ah, ne t'avise pas de faire ça. Enfin, je le jure sur ma tête, tu ferais mieux de me tuer, Batman. Ou alors c'est moi qui vais te buter. Je vais te... Tu sais quoi, j'allais justement te conseiller de faire ça. Et c'est là que je m'en prends plein la tête. Je suis fier de toi, Dick. T'es sûr que tu vas bien? C'est terminé. C'est la dernière fois qu'on se voit. Non, dis pas ça. Ça ne t'arrêtera pas. Rien ne peut t'arrêter. Protège Bloodhaven. Promets-moi. J'ai compris, Bruce. C'est bon. Tu veux pas que je reste dans le coin et que je te vole la vedette? Dick. Tu peux compter sur moi. Je sais. Ma
pourras les vendre pour pièces. Si tu arrives à sortir. Sentez la fin du vocal. J'ai failli avoir le gamin, pas vrai? Eh ben alors, qu'est-ce qu'il y a? On t'a secoué? À toi de voir, Cobblepot. Le GCPD ou la morgue? Cause toujours, Batman. On sait tous que tu me tueras. Ce soir, j'ai des envies de meurtre. Je suis sûr que ça ira mieux. Une bonne nuit de sommeil peut faire des merveilles. Ils reconstruisent les colonnes hein, quand je m'en vais du GCPD quand même. Vite, Cobblepot. Accroche-toi à ta cape, j'arrive. Ouais, c'était pas la même chose sans vous. Tu as vu Batman? Qu'est-ce qu'il a? Ça, là c'est de la loyauté. Dans le coup, comme tu dois c'est être un truc pour parler. Depuis le début, j'aurais dû dire à l'épouvantail que t'impliquer là-dedans était une grosse erreur. Attention, Oswald. On est du même côté des barreaux maintenant. Ne t'y trompe pas, Batou. Sous cette enveloppe grasse, hideuse et rabougrie comme tout, se dissimule un petit cœur visqueux qui ne demande qu'à sortir. Bon, et bien, deuxième criminel notoire appréhendé. Après Double Face, le pingouin. Tiens, on va aller voir ce gros coup naze de Jack Ryder. Dis-moi ce que tu fabriques. Ça a l'air sérieux là-dehors, Batman. Mieux vaut toi que moi. Tout à fait. J'imagine que t'as eu affaire à des cultes religieux par le passé. T'en penses quoi? Ils s'en prennent aux personnes faibles et vulnérables. Comme l'avocat de mon ex-femme. Quoi que ce soit, ne t'en mêle pas. Crois-moi, j'ai pas l'intention de m'en mêler. Promis juré. Enregistrement numéro 25, 30 octobre. Je me suis procuré ce rapport d'autopsie. Est-ce que le commissaire tient le coup? Tu crois que tu pourrais m'obtenir une interview? C'est trop tôt? Et dans une heure. Jack Ryder, toujours une raclure de bizarre. J'entends ce que les flics racontent dans ton dos, bête de foire. Crois pas. Allez hop. On va se mettre là, on va segmenter la VOD.